Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez eu de bonnes lectures depuis la dernière fois. En tout cas, je reviens avec trois bons titres à petit prix, donc vous pourrez lire les trois. Je commence avec À table, citoyens, pour en finir avec la malbouffe et sauver nos paysans. Perico Legas, un critique gastronomique qui pousse un coup de gueule sur notre mode d'alimentation. Voilà, la plume, est acerbe, incisive, c'est drôle, c'est même jouissif. Ça gratte un peu, ça pique un peu, c'est normal. En gros, c'est très simple, vous ne remplirez plus votre frigo de la même manière. Donc pour une révolution du frigo et une révolution par l'assiette, eh bien c'est À table, citoyens. Ensuite, Dieu en plein cœur de René Luc, ça c'est un classique du témoignage. Comme dirait Coluche, c'est l'histoire d'un mec qui aurait dû suivre les pas de son père, qui aurait dû finir truand et qui en fait a fini prêtre. Alors je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas c'est une très très belle histoire de vie que nous raconte le père René Luc avec Dieu en plein cœur. Et pour finir, le dernier numéro de Il est vivant. Musulmans, osons les rencontrer au nom de Jésus. Dans la première partie, on a des points de repère avec un frère dominicain spécialiste de l'islam, avec des retours sur les propos du pape, avec nos amis de coexister. Voilà, tout ça permet de planter le décor de ces rencontres. Et puis dans la deuxième partie, on a un paquet de témoignages très variés sur toutes ces rencontres avec les musulmans. Et tous ces témoignages donnent tout simplement envie d'y aller, quoi. Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à choisir et à lire. Donc bonne lecture et à bientôt. Ciao.